Dans le garde-robe, là, des classiques. Là. Mais tu sais, c'est pas ça qui fait vraiment le succès d'un album ou d'une chanson ou d'un interprète des chansons ou d'auteur-compositeur. C'est vraiment quand on se retrouve sur scène puis qu'on voit tous les gens qui sont là, que ce soit 1000, 20 000, qui chantent a cappella tes chansons, puis tu es obligé de vraiment compenser avec ça musicalement et de dire, oh, ben là, à cette tune-là, faut descendre. Les boys, faut jouer moins fort parce qu'ils vont chanter le refrain avec toi. Fait quand c'est rendu qu'ils en chantent 12-13, parce que je suis rendu à mon troisième album, ben ça fait une veillée pas trop fatigante, puis c'est le fun, puis ils se font la voix en même temps. Les Québécois, ils ont une bonne voix. Fait que c'est agréable. Eh bien, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est le lancement officiel du nouvel album de Francine Raymond qui porte le titre Paradis perdu. Francine, c'est toute une aventure, écrire des chansons, écrire des textes, etc., qui reflètent ce qu'on ressent. Toi, tu as déjà dit que pour toi, l'écriture, c'est une façon d'exprimer tes angoisses et tes espoirs. Qu'est-ce qui est plus facile d'exprimer, des angoisses ou les espoirs? Je pense que les espoirs sont plus difficiles parce que ça paraît toujours un peu nouvel âge, un petit peu... On nous reproche souvent, là, ça fait un peu bonbon... Mais ce qui est plus difficile, c'est d'écrire des chansons positives. Mais maintenant, avec le petit truc de faire de la musique positive et pas toujours, parler positivement toujours et d'essayer d'exulter des sujets qui sont un petit peu plus difficiles, mais de le transporter dans une musique positive, bien là, on réussit à faire les deux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec celui-là, malgré que ce n'est pas mes angoisses à moi là-dedans. Bon, oui, il y a mes bonheurs, il y a certaines chansons qui sont vraiment... Que j'ai voulu privilégier à cause de l'intimité que je vivais, qui était vraiment formidable, que je voulais en parler. Mais le reste, c'est vraiment les stars de l'album, c'est les gens avec lesquels j'ai vécu les 5 ans, que j'ai regardé aller. Autour de toi. Il y a des noms à coller à ces chansons-là. Oui, c'est intéressant de souligner aussi que tu regardes la vie d'une façon importante, c'est-à-dire que tu reconnais que la vie nous donne des signes. Tu es parti en vacances, tu ne savais même pas que tu allais enregistrer ton album. Tu avais écrit la chanson Félicité, qui était pour quelqu'un d'autre, etc. Bref, ça n'a pas donné. Tu pars en vacances et tu vois ce mot gravé sur une porte, en vacances. Qu'est-ce que tu as ressenti? Explique-moi ce sentiment. Félicité. Je suis contente d'avoir un Kodak. Parce que là, j'ai pris une photo de ça, ils ne me croiront pas quand ils m'en revenaient. Parce que j'étais partie en voyage me disant... je m'en vais dans le triangle des Bermudes, puis si je reviens pas, je reviendrai pas. Puis c'est pas la fin du monde parce que j'avais fait la paix avec ça. À ce point-là. Vraiment? Ben oui. Je suis allée, en pleine mer, en haute mer, loin, dans le triangle des Bermudes avec un petit avion. Puis c'est une amie qui m'avait. Est-ce que tu es courageuse ou folle? Hein? Est-ce que t'es courageuse? Je trouvais que j'étais courageuse parce que j'aime pas le petit avion. Oui, moi, j'aime pas beaucoup les petits avions. Et j'avais un gros problème avec les petits avions. Et bon, finalement, on s'est rendu, puis on a fait de la haute mer comme ça, de la houle comme ça, et pour voir des dauphins, puis pour triper. Puis finalement, les dauphins, les plus beaux dauphins, c'est les gens qui avaient sur le bateau. Non, sérieux, c'est des gens extraordinaires. Oui. Alors moi, j'étais déjà dans un mood, le fun, tu sais, puis l'eau turquoise, puis on connaît le sud. Alors, il y avait une espèce aussi d'atmosphère bien spéciale qui se passait sur cette île-là, à Bimini. Et très, très, très rudimentaire, très naturel, à son état pur.
Fait que c'était bien encourageant de voir ces gens-là qui faisaient avec l'eau, la terre, le peu qu'il y avait. Puis à un moment donné, je me promène, j'ai ma caméra, puis je vois cette porte-là marquée « Félicité » dessus. Puis je me disais, est-ce que je devrais garder cette chanson-là? Parce qu'à un moment donné, on a des doutes. Oui. Parce que là, étant donné que j'avais essuyé le refus de cette chanson-là, quelqu'un m'avait demandé d'écrire, j'ai écrit cette chanson-là pour faire une histoire. Bref, la personne avait pas retenu la chanson. Je me disais, je devrais-tu la garder, moi? Tu sais, on vient qu'on doute à un moment donné, comme tout le monde doute. Et puis là, j'ai vu une porte. Marqué Félicité et gravé dans le bois, puis j'ai pris la photo, puis j'ai dit la seule chose qui n'est pas vraie, parce qu'il faut que je le dise, sur le site internet, on la voit, et c'est Félicité en anglais qui était marqué. Félicité Y. C'est ça. Et on a changé pour que les gens comprennent similitude dans ma façon de penser, mais il faut que je le dise, parce que j'aime les vraies affaires. Oui. Mais c'est ça qui s'est passé. Et moi, ça m'a comme... Est-ce que tu as toujours su ouvrir la bonne porte? Tu as toujours su reconnaître la bonne porte? Ben, on me dit des fois que j'ai pas pris les bonnes portes. C'est sûr que j'ai eu des offres dans ma vie. Tu tomberas à terre des affaires qu'on m'a demandé des fois. J'ai dit non. Non parce que ça faisait pas partie de mes valeurs. Okay. Parce que ça véhiculait pas ce que je voulais faire. Et parce que ça donnait de l'importance à des choses que je trouvais qui n'étaient pas importantes. Oui. Donc, la raison pour laquelle je nomme pas ces choses... mais des choses qui m'ont été présentées que j'aurais pas eu besoin de travailler longtemps. Oui. Et j'ai pas voulu ça. Mm-hmm. J'en ai refusé des comme ça. Donc, ta définition du succès aujourd'hui a changé? Le succès... Toi, c'est quoi, Francine? Le succès, c'est d'allumer... écoute, moi, je vais te donner un exemple. Je suis allée voir un spectacle que j'aimais en fin de semaine passée. Oui. Bon. Encore une fois, bon, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Je suis allée voir Paul McCartney. Oui. Moi, ce que ça m'a fait... Bon, ça m'a fait un bien immense. J'étais brûlée, j'étais fatiguée, je venais de monter une montagne à pied. Mm-hmm. Puis là, je m'en vais voir ce show-là, je suis complètement changée. Je broille, j'applaudis, je suis contente, je crie, j'étais un enfant de 12 ans. Quand je reviens de là, je dis, si je pouvais, avec mon album ou avec un spectacle qui suivra, faire le millième de ce que j'ai senti là, ça serait... c'est ça. C'est la raison pour laquelle on est là. Je sais que ça fait cucu, je sais que c'est réchauffé, mais c'est la vérité. Puis c'est la raison pour laquelle je suis là, uniquement. Puis d'ailleurs, on va dire à tout le monde de rester à l'écoute, parce qu'après cette courte pause, tu vas nous offrir des chansons. Et moi, je trouve que ça serait une bonne idée d'envoyer cette cassette à Paul McCartney pour qu'il puisse voir Francine Raymond sur scène. Alors, restez avec nous. Elle nous offre des chansons de son nouvel album. Hey, Francine, c'est une idée! Go for it, girl!